cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, remplissage de mon planeur défi avec ce qui me reste du mois de janvier, et on va compléter ensemble ma fiche budget pour le mois de février. Je commence par une petite aparté de base. Je devais vous tourner une vidéo tout simplement où je vide mes planeurs du mois, où je vous explique et je vous montre où est-ce que j'ai fait des économies, etc. J'ai filmé cette vidéo, mais j'ai peut-être oublié d'appuyer sur le bouton rec, donc cette vidéo n'est pas là, et j'allais pas faire semblant en remplissant mes carnets et tout ça, sachant que j'avais effacé tous les le carnet mensuel. J'allais pas réécrire, et dans tous les cas je n'ai pas une assez bonne mémoire pour me rappeler au centime près de ce qu'il y avait dans les enveloppes. Donc ce mois-ci je décide quand même de vous faire le remplissage des défis et des enveloppes parce que je trouve ça hyper fun à faire, déjà premièrement, et deuxièmement on va remplir ensemble la fiche budget comme je vous l'ai dit. Donc cette petite fiche budget là, je vous la présenterai toutes les fois en début de mois un petit peu pour vous montrer vite fait ce que j'ai fait dedans, mais ça sera le seul mois où je la remplis. Comme ça je vous explique dans cette vidéo, j'en profite tant qu'il y a un couac pour en tirer du profit, et le profit du coup ça sera pour vous montrer et vous expliquer en détail comment je remplis cette fiche budget, comment je m'en sers, et je vous la présenterai rapidement en début de mois quand je ferai mon budget, mais je la ferai plus avec vous, donc ça sera la seule et unique fois. Je suis désolée, j'ai eu très peur. Mon chat est passé et ça fait une petite bêtise, bref. Et du coup, bah, on va remplir ça ensemble. Donc, je vous bascule directement sur la table. Je vous retrouve du coup, comme je vous l'ai dit, sur la table. On va remplir du coup mon budget planeur des défis, comme vous pouvez le voir là. Là, j'ai mis toutes les pièces qui me restaient. Et là, j'ai mis tous les billets qui me restent. Il ne reste que des pièces de 2€, tout simplement, parce que tout le reste de la monnaie, je l'ai donné à mon chéri, parce qu'il a tout simplement un distributeur de nourriture, de boissons, etc. à son travail, et que du coup, il aime bien se servir de la petite monnaie. Donc des fois on fait du troc, je lui donne de la monnaie et lui il me donne des pièces de 2€, ou je lui donne, et ça a été calme ce mois-ci, c'est pour ça qu'il ne reste que des pièces de 2€. On va commencer à remplir du coup le petit planeur. Ce mois-ci j'avais également rempli le mois blanc que j'ai effacé. Je fais pas de mois blanc, c'est juste que ça me permet du coup de regarder un peu quel jour je fais les dépenses, etc. Et quel jour je fais du coup les dépenses qui sont les miennes que j'entoure. Et je marque aussi les dépenses qu'on fait avec le compte à mon chéri pour voir réellement ce qu'on consomme par mois et les raisons pour lesquelles nous on consomme également. Par exemple, on est allé une fois à Jiffy ce mois-ci et c'est pas moi qui ai payé, c'est mon chéri. Donc je l'avais quand même marqué, mais de toute façon je vous réexpliquerai ça le mois prochain puisque ça sera en visuel et vous risquez de le voir. On va commencer du coup avec le défi 2€. Comme je vous l'ai dit, il me reste quand même pas mal de pièces que j'ai du coup mises ici. Du coup, voilà tout ce que j'ai en monnaie. Et du coup, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 pièces de 2. Ce qui est quand même très très bien, je trouve. Donc on va venir les ranger dans leur petite pochette. Franchement, j'adore ces pochettes, j'adore les trackers de chez Magistic Stationery. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a tous les liens de tout ce que j'utilise pour la budgétisation. Donc, du coup, planeur, tracker, petite pochette et tout ça qui viennent de chez Magistic Stationery. Et vous retrouverez le lien en barre d'informations. Du coup, on va venir cocher. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc on est déjà à un total de 26€, ce qui est vraiment énorme parce que en vrai c'est de la monnaie que de base je me serais servi pour aller acheter des conneries sûrement à Action, et du coup je suis relativement fière de moi de ne pas les avoir comptabilisées dans mon budget et du coup de déjà avoir pu économiser 26€. Et franchement je manque de rien, donc je me rends compte que c'était vraiment des petites conneries que j'achetais, et du coup ce mois-ci c'est quand même 26€ de côté, c'est pas rien. Ensuite on a le défi 5€. J'ai eu des petits billets de 5€. Cette fois-ci j'ai eu le culot des fois de demander des billets de 5. Donc voilà, donc j'en ai pu en avoir 4, ce qui est franchement pas mal. C'est vrai que nous on rend très rarement la monnaie de 5€. Et du coup bah je prends le culot de demander. Écoutez, ça n'a jamais tué personne d'y aller au culot. Vous me l'avez conseillé, donc je l'ai fait. Et du coup j'ai pu avoir 4 billets et c'est grave cool. Donc 1, 2, 3 et 4, et on est déjà du coup sur un budget de 20€ en billets de 5, et ça sera très 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 bien.
Ensuite, il nous reste du coup 40 euros. C'est principalement ce qui me reste de mon enveloppe plaisir. Et il restait 10 euros dans hygiène. Donc voilà à peu près au niveau des billets. Il restait aussi beaucoup de monnaie dans plaisir, dans hygiène, propreté, etc. Et dans les chats. Mais voilà en gros un peu le topo. Donc ça vient principalement de l'enveloppe plaisir et hygiène. Parce que ce mois-ci, on n'a pas eu besoin de tout grâce à Noël. Et du coup, je pense au niveau des épargnes, je vais pas les remplir, je vais remplir que le défi. Et je pense que je vais le mettre dans le défi week-end, tout simplement parce que on va avoir un week-end, enfin une semaine de vacances au mois de mars avec une copine, et il faut vraiment que je commence à épargner au maximum, parce que ça serait bien qu'on fasse des sorties, puisqu'elle vient quand même de relativement loin, donc on aimerait bien se faire un ciné, une journée shopping, etc. Donc il faut commencer à économiser, donc je pense que je vais mettre les 40 euros dans cette enveloppe-ci. Donc voilà, et du coup je vais venir cocher ma première case, donc 40 euros, donc voilà. Pour le remplissage du défi, c'est terminé. On va du coup pouvoir passer à la fiche de budgétisation. Je vous retrouve du coup pour remplir la feuille de budgétisation. Et du coup, on va faire pour le mois de février. Petit aparté avant de commencer. Oui, j'écris absolument comme un cochon. C'est illisible, mais le but, c'est vraiment de vous expliquer comment j'utilise cette feuille de budgétisation et pas de juger mon écriture. Merci d'avance. Donc, ce qui est bien avec cette feuille de budgétisation-là, je pense que vous pourrez le comprendre, c'est qu'on a des petits guides. Donc, on a le A, le B, le C, ici, le D, ici. Et en fait, ce qui est vraiment très, très cool, c'est qu'ici, vous avez un petit calcul détaillé, donc avec A, B, C et D, que je vous expliquerai. Et ça, c'est vraiment top quand vous êtes comme moi et que vous n'avez pas vraiment eu d'éducation financière. Moi étant jeune, ça n'a pas du tout été mon cas, et du coup grâce et heureusement que j'ai pu prendre du coup ce coaching en gestion de budget avec Magic Stick Stationery, donc Laurie, qui m'a permis en fait d'apprendre les bases de la gestion de budget, et cette fiche m'aide vraiment 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 beaucoup. Donc c'est pour ça que j'avais aussi envie de vous montrer comment je la remplis. Donc je commence avec le premier step, donc le step A, qui sont tout simplement les revenus, donc le salaire. Donc on est sur un salaire de 460 euros pour un petit peu tout ce que j'ai à payer ce mois-ci. Je n'ai que ça, donc ça sera 460 euros. Ensuite, on va aller dans les emprunts et les crédits. Et vous allez voir que ce mois-ci, j'en ai quand même relativement pas mal. C'est un mois un petit peu compliqué, tout simplement parce que j'ai des dépenses à faire. Et comme je n'avais pas d'épargne l'année dernière, ça a été un peu compliqué de combler. Donc, j'ai dû faire quelques petits micmacs. Donc déjà, il a fallu que je me rachète un téléphone, puisque mon téléphone était tout simplement mort. Voilà. Et donc, j'en ai eu pour 50 euros. Et du coup, j'ai 50 euros sur 3 mois à payer. Du coup voilà, c'est un peu un crédit à la consommation, mais c'est un crédit personnel. Du coup à une amie, j'ai racheté le téléphone. C'est bien parce que je viens de regarder que j'ai marqué téléphone, voilà, mais c'est un E, voilà, on va faire comme si on n'avait pas vu ça. Et du coup toujours cette amie qui me vendait du coup son téléphone m'a fait une petite avance. Je vous explique pourquoi. J'ai décidé cette année de faire un swap avec ma copine Laura. Donc ça sera un swap en fin d'année. Du coup je mets un petit peu tous les mois. J'avais prévu de commencer à partir de février, sauf qu'on a trouvé quelque chose de très très intéressant avec du coup Laurie. Et du coup on a partagé tout simplement les frais, puisque en fait il y avait des frais d'envoi. Et du coup on a fait une commande toutes les deux et on partage comme ça les frais d'envoi, ce qui me fait un total de 20 euros entre le produit et le frais d'envoi pour le swap. Du coup je lui paye là en début de mois de février. Et on avait aussi pour l'anniversaire de Laura, qui est du coup le 30 janvier, je voulais lui prendre un petit truc à Sephora, sauf que en allant sur Vinted, j'ai trouvé une super affaire d'un produit qui est quand même très très difficile à trouver pour un prix vraiment pour le coup qui bat toute concurrence. Donc je vais en avoir pour 21,24€. Et comme je n'avais pas l'argent tout de suite puisque je ne l'avais pas prévu, du coup Laurie m'a fait une avance en même temps que pour le swap de Laura. Donc je vais lui rembourser ça. Donc voilà un petit peu pour mes crédits et mes dettes en plus du coup de mon téléphone. Et pour le total je suis à du coup 91,24€ ce mois-ci, sachant que les mois prochains il n'y aura que le téléphone du coup jusqu'au mois d'avril à payer, et ça, ça ne devrait plus apparaître, tout simplement parce que je prévoirai dans le budget s'il y a ce genre de choses. Voilà.
Ensuite, pour les charges fixes, moi j'ai la chance de pas en avoir, tout simplement parce que toutes les charges fixes passent sur le compte bancaire directement de mon compagnon, donc je les compte pas en fait dans ce montant-là, puisque ça c'est que mon montant à moi personnel que du coup je dois mettre de côté. Toutes les charges fixes sont comptées directement en prélèvement sur le compte de mon compagnon, et c'est pas moi qui le gère, c'est mon compagnon. C'est comme ça qu'on s'organise, et franchement ça nous convient très très bien. Du coup on va complètement lâcher la charge fixe et on va aller directement dans les épargnes. Pour les épargnes, on a dit avec notre chéri qu'on ferait, enfin avec mon chéri, pas notre chéri, hein, avec mon chéri qu'on se mettait un minimum de 20 euros dans fonds d'urgence tous les mois pour essayer de se mettre le plus possible un fonds d'urgence en cas de problème. C'est le minimum syndical, c'est-à-dire que je m'interdis de mettre moins dans le fonds d'urgence. J'aimerais pouvoir l'augmenter au fur et à mesure des mois, mais là c'est vraiment le minimum, minimum, minimum syndical. Ce mois-ci, on va également avoir la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, en janvier, j'ai déjà mis 20 euros de côté. Et là, du coup, ce mois-ci, je vais venir mettre 20 euros supplémentaires. C'est pour nous faire une sortie en amoureux. Et je vais également prévoir une petite avance pour l'anniversaire de mon chéri, qui est du coup en avril. Et du coup, je vais venir mettre la somme de 10 euros. C'est pas beaucoup beaucoup, mais je sais que je compléterai en fait au mois d'avril, mais ça me permet d'avoir quand même un minimum d'apport. Et du coup, le plus gros qui va prendre sur mon budget, c'est tout simplement le défi week-end, tout simplement, puisque du coup ma copine Laura vient nous voir en mars, ça me fait trop trop plaisir. Elle vient vraiment de très très loin, elle va passer énormément de temps dans les bus, les trains, etc. pour venir nous voir. Du coup j'ai décidé de faire un budget tout simplement pour qu'on puisse faire des sorties, aller je sais pas au restaurant, aller au cinéma, etc., etc. Donc il va falloir que je remplisse cette enveloppe plutôt rapidement. Il y a déjà 40 euros dans l'enveloppe, donc je suis plutôt contente. Mais là, du coup, pour le mois de février, je vais venir rajouter 130 euros. Si je mets autant, c'est parce que Laura vient, et également Rémi a posé du coup ses congés sur cette semaine-là de vacances. Donc ça fait en fait l'arrivée de Laura ainsi que les vacances de Rémi. C'est pour ça qu'on met autant dans cette enveloppe-là, et on espère qu'elle va grandir quand même rapidement. Et du coup, pour cette enveloppe au final, j'en ai pour 180 euros. Donc voilà. Et ensuite, on va pouvoir passer aux charges du coup, qui sont des charges variables. Donc c'est tout ce que je vais mettre dans mes enveloppes. Mais vous allez voir qu'il y a également une carte que je vais venir marquer tout de suite. Et la carte que je vais venir marquer, c'est Magic Stick. Et je vais juste marquer ça, mais je me comprends, je vais marquer ça comme ça parce que j'ai pas assez de place. J'écris gros tout simplement parce que je vais faire une commande à Magic Stick Stationery, donc la boutique de Laurie, ce mois-ci, puisque je vais avoir besoin d'enveloppes. Et j'ai aussi commandé la collection de Saint-Valentin, enfin commandé, pas encore. En fait, j'ai déjà fait mon panier, donc j'ai déjà la somme, ils m'ont plus qu'à me le valider. Et du coup, j'en ai pour un montant de 51,81€, ce que je compte du coup dans mon plaisir pur kiff. Mais du coup, je marque ça puisque c'est de la carte, et du coup je viens de marquer en haut que c'est une carte bancaire que je dois faire pour ça, donc ça sera pas vraiment dans mes enveloppes, mais ça fait partie de mon budget plaisir. Tant qu'on est avec le budget plaisir, ce que je vais mettre dans mes enveloppes ce mois-ci, c'est 50 euros. Voilà, j'ai vu une petite veste qui pourrait me plaire à la mode à votre taille, donc j'ai très envie. Elle coûte 49 euros, donc voilà, ça me fait à peu près un budget plaisir de 100 euros. Si je me mets autant, c'est pour éviter de me frustrer trop et de craquer par la suite. Donc voilà. Ensuite, on va avoir le budget entretien que je prends du coup principalement à Action. Et là, on a un budget de 20 euros. L'entretien, c'est tout ce qui est entretien, donc produits ménagers. Mais aussi, si on a besoin de racheter un pommeau de douche, si on a besoin de racheter un joint pour la maison, une ampoule ou quoi, ça fait partie de ce budget-là. On a ensuite l'enveloppe hygiène. Donc pour tout ce qui est hygiène corporelle, on en a également pour 20 euros. Et on a l'enveloppe également Lia et Liline, qui sont nos deux chats avec Rémi tout simplement. Et du coup on leur met un budget de 20 euros. Faut savoir que dans ce budget de 20 euros, on ne compte ni les croquettes ni la litière. C'est tout simplement pour tout ce qui est, s'il y a besoin d'un collier anti-puce, s'il y a besoin d'un harnais, s'il y a besoin de shampoing, s'il y a besoin de pilules contraceptives, s'il y a besoin de bonbons parce qu'on n'a plus de bonbons ou ce genre de choses, c'est compté dans ce budget-là. Et ce que je n'utilise pas, du coup, ira dans l'épargne Amélia et Améline, puisque Lia et Liline sont leurs surnoms.
tout simplement. Et pour terminer, on va avoir l'enveloppe course où je me mets 20 euros dedans ce mois-ci. Normalement, je mets 10 euros dans l'enveloppe course. Si je décide de mettre 20 euros ce mois-ci, c'est parce que c'est la Saint-Valentin. J'aimerais bien faire un petit apéro dînatoire pour mon chéri comme une surprise. Je peux le dire parce que je sais qu'il ne regardera pas du tout cette vidéo. Mais du coup, je décide d'augmenter un petit peu le budget ce mois-ci pour ça. Et du coup, j'en ai pour un total de 181,81 €. Voilà, tout simplement. Et du coup, pour vérifier si tout est bon, je viens faire ce petit calcul-là. Vous pouvez le faire tout simplement avant d'avoir ce reste-là pour les enveloppes. C'est le plus simple. Moi, je sais que je calcule tout avant de faire la vidéo. Donc voilà, mais si je veux vérifier, j'ai bien un total de 460 € de revenus. Donc B et D pour moi, puisque je n'ai pas de charge fixe. Donc je peux venir barrer ça. Du coup, pour le B, je suis à 91,24 €. Donc si je fais 91,24 € plus le D qui est du coup ici, on est à 181 €. Du coup, ce qui nous fait un total ici de 271,24 €. Et du coup, on fait 460 moins 271,24 €. Ce qui nous fait un total du coup de 188,76 €. Donc ça, c'est ce qui me reste à mettre dans mes enveloppes. Et vous pouvez voir que je suis à 181,81 €. J'ai pas pu faire de toto fixe tout simplement puisque là il y avait des arrondis et également dans la commande que je veux passer sur Magic Stick Stationery, donc il me restera un petit peu sur mon compte. Donc je suis pas vraiment sur quelque chose à base zéro, mais je suis au plus proche de ce que je pouvais faire. Donc voilà comment je remplis cette feuille de budgétisation et voilà un peu à quoi va ressembler du coup mon mois de février. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'ai fini du coup de remplir mon petit planeur de défi. J'ai également fini de remplir ma feuille de budgétisation. C'est quelque chose que j'ai vraiment pas l'habitude de faire, donc n'hésitez pas si vous avez des conseils pour tout simplement avoir, je sais pas, peut-être une vidéo plus fluide ou avoir un contenu un petit peu plus qualitatif. C'est vrai que je commence ce genre de vidéo là, donc n'hésitez pas si vous avez des conseils. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous plaire, le fait que je remplisse les défis, et que ça aura pu vous aider de vous montrer comment moi je rentre ma feuille de budgétisation. Comme je vous l'ai dit, je la referai pas toutes les mois, je vous montrerai du coup qu'est-ce que je mets dans quoi, oui, rapidement, mais je la remplirai pas avec vous. Je la re-remplirai qu'au moment où j'aurai signé un contrat de travail, voilà, et que je pourrai du coup remplir celle-ci. J'ai très très envie de pouvoir la remplir assez rapidement, donc je vous remontrerai quand j'aurai du coup des charges fixes à prendre en charge également, mais pour l'instant, malheureusement pour moi, ce n'est pas le cas. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée jusque là, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.